Yop tout le monde, c'est Cédric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FC 25. Et aujourd'hui, on a commencé la semaine dernière avec, enfin ce matin au moment où je tourne la vidéo et la semaine dernière au moment où vous la verrez sur YouTube, Coach on a Valérie commencé. Tolulaïm sous la catégorie e-sport FC 25, Up Team commence. Voilà, le live est lancé. On a commencé ce matin avec de l'Ultimate Team, le Mud Rush, tout ça, la vidéo est publiée et vous l'aurez donc mercredi. Je vais vous dire que la semaine prochaine, à partir de là, on aura du mode carrière tous les mercredis et une fois par mois, vous aurez l'Ultimate Team où là on fera un petit peu de match, on fera le point sur mon équipe, sur l'évolution de mon équipe, parce que bon, voilà, ça n'intéresse pas forcément beaucoup, beaucoup de monde, mais voilà. Aujourd'hui, vous le savez, pour ceux qui, voilà, qui suivent un peu le mode carrière, hop, tous les ans, on fait une carrière avec un club. Je cherchais mes mots. Avec un club. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que Valenciennes est en National, est en National 2. En National 1, pardon. Et du coup, c'est un peu plus compliqué de. Ça a été pour moi compliqué de choisir un club pour le remplacer. Donc. Le club qui va remplacer la carrière entraîneur cette année, ce sera donc Chelsea. On jouera avec Chelsea pour cette saison 2025 sur FC 25. On jouera avec Chelsea. J'espère que ça va vous plaire. Il y aura plusieurs matchs hein, sur cette vidéo. Parce que c'est la découverte. Donc on aura ce sera la découverte et on aura plusieurs matchs. Et puis ce sera comme ça. On aura, je pense. Là on est parti Salut la gueule, jusqu'à. Cédric Gamin 59, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Ça va tranquille. Ça va tranquille. Ce matin, on a eu l'Ultimate Team. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre. Je vous cache pas. Donc, je pense que cette année, on va rester en par. Ah oui, bien sûr. Ça va bien. Alors, Angleterre. Chelsea. Alors, transfert activé, oui. Recrutement, oui. Plan d'entraînement, oui. Niveau niveau difficulté, semi-pro, oui. Bon, ça prend, de toute façon, ça changera au fur et à mesure. Le temps, on va mettre 3 minutes. Semi-pro. Durée du match de tournoi jeune. 3 minutes. Tac, tac, tac. Type de jeu des classiques, simulation. On va laisser en classique. Entraînement, oui. Transfert, tac, tac, tac. Voilà. Hop, continuer. Nouveau début avec. Alors, aujourd'hui, c'est exceptionnel, hein, vous le savez. C'est la sortie du jeu. Alors, pas officiellement. Mais c'est la sortie du jeu pour ceux qui l'ont précommandé. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Voilà. Pour ceux qui l'ont précommandé, vous l'avez en accès anticipé aujourd'hui. Ça va être un petit peu plus long parce que du coup, on va voir un petit peu ce qui a changé, ce qui. Voilà, ce qui a changé, ce qui a changé en mode carrière, etc., etc. Et puis, normalement, il n'y a pas d'écho particulière hein, la vidéo. Donc, ça devrait aller. Donc, l'équipe.
c'est possible d'avoir l'équipe. On connaît tout ça. Hein. Voilà, Jackson, Enzo, Neto, enfin voilà, tout cela, tout ce beau monde, c'est mon équipe que je vais devoir gérer, centre de formation, accéder au tournoi jeune. Alors ça, c'est nouveau, parce que du coup. D'accord. Commence. Pardon? Ça commence. L'éclairage a changé par contre. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ouais. Oh non. Ça, c'est une très mauvaise idée. Ah, dommage. Bah, c'est pas grave, hein. Ça, c'est pas le mode carrière, ça, c'est le mode jeune. Maintenant, vous pouvez jouer avec des joueurs du centre de formation qui peuvent, normalement, si je m'abuse, intégrer votre équipe. Oh, magnifique, t'es hors jeu. Non? Non, il y a but? Non, il y a but, ok, il y a but. Oh, c'était magnifique, là, la réalisation de ce but, ça fait un partout. Ouais! Là que je m'amuse à faire des gestes techniques maintenant. Oh! D'accord. Non mais d'accord. Tu veux. La faute. Je mets le pied, mais ça suffit pas. Mais quoi? Hein? Je vais dire. On a perdu, mais bon. Pardon? D'accord, donc même le mode carrière, il a beaucoup, apparemment beaucoup évolué, donc bon bah c'est pas grave, hein. Attendez, vous allez avoir un écran bleu. Juste 2 petites secondes. Voilà. Vous allez avoir un écran bleu.
Au début, c'est pas grave. Juste le temps que je foute le son du jeu dans le casque. Alors, non, annulé. Transfert. Ah, transfert. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, développement des jeunes faibles, recrutement des marques, c'est assez critique. Financier, c'est très faible. Succès national, c'est élevé. Et succès continental, c'est assez élevé. Durant la saison, recruter au moins trois joueurs décisifs et dégager un bénéfice de 135 millions d'euros. Objectif numéro 2, obtenir 10 matchs avec au moins un but marqué en match à l'extérieur cette saison. Sur le long terme, en 2 saisons, faites au moins un joueur du centre de formation recruté lors de la première saison, lors d'au moins 30% des matchs de la saison suivante. Ouais, ok. Bon, bah ok, c'est pas mal. Développement jeune, ok. Donc ça, je viens de vous le dire. On demande la marque, ok. Qui est assez critique. Donc ça, va falloir qu'on voit un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Financier, ben ça, je viens de vous le dire. Alors, nanana. Première ligue, qualifiée pour la Champions League. Donc ça, faut se qualifier pour la Champions League. Et Emirates UEFA Cup pour remporter la coupe. Ok. Et donc du coup, vu que Chelsea est qualifié en Europa League Conférence, il faut qu'on remporte la Coupe la l'UEFA Europa League Conférence. En sachant que pendant l'Europa League Conférence, vous le savez, ça a changé cette année. Ça a changé cette année puisque déjà on n'a plus. Alors, voir les tâches. Ok. Engager un premier code. À quoi? Attends quoi? Pas compris. Engager votre premier. Ah là là. Pépépépém. Pépépém. Ok. Ensuite. Non mais ça s'est fait. Ensuite, il y a Enzo qui veut parler. Bonjour, Ced, au moins. Bonjour, Ced. Au moins, toute l'équipe de Chelsea, j'aimerais. Au nom, pardon, de toute l'équipe de Chelsea, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Il y a du boulot. Ensuite, ça c'est fait. Ensuite, changer. Alors, ok. Bah oui, parce que Enzo, il n'est pas à son poste. Enzo, il n'est pas à son poste.
Oui, ça je connais. Enzo, c'est un MCMDC. Elle n'est pas du tout à son poste. Oui, je connais la tactique, tac, tac, tac. Modifier la tactique. Oui, je connais tout ça. Dispositif. Alors, dispositif, nous, on va jouer en 4-2-4. Parce que j'ai l'habitude de jouer en 4-2-4 en Ultimate Team. Voilà. 4-2-4. Tac, tac, tac. Ça a l'air d'être assez complexe, modifié. Ouais, non. Après, il y a des joueurs qui sont à leur poste. Palmer. Palmer. Ah, Palmer, Palmer, Palmer. Alors, le 4-2-4, ok, mais après, comment tu fais pour bouger les joueurs? A l'air complexe, ton histoire, là. Bah déjà on a Cole Palmer, il est MD. Cole Palmer, on doit jouer là. Voilà. Neto. Caicedo. Caicedo là. Et là, il faudra un BU. Jean-Félix à la place de Neto. Voilà, ici. Voilà. Sancho, 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 Sancho. 10 à 6. Colwill. Colwill. Cucurella. Ok. Colwill, Fofana. Cousteau. Ok. Donc ça, 10 à 6 peut jouer. Mukele. Medweke. Medweke, tu peux le mettre là. Il peut jouer à D. Mais moi, j'ai toujours gardé mon grand copain. Que j'avais déjà. Pas l'année dernière, mais que j'avais déjà. Alors, ensuite. Modric. Modric peut jouer à gauche. Rhys James, moi perso je mettrais plus Rhys James en vrai que Malo Cousteau pour l'instant en tout cas.
Voilà. Ouais, ça c'est quoi? On a un rapport. Ok. Mélité de Pamberis, Camberis, 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 Camberis. C'est génial. Offre reçue pour. Alors, centre de formation. Oui, développement des jeunes. Ok, on s'en fout. Gardien DG, MD, AG. Alors, AG, AD. Prémouvoir dans l'équipe senior, ok. AD aussi, il m'en faut un. Hop. On va prendre un jeune gardien. Et voilà, ça c'est fait. Que on doit faire jouer 50% des matchs cette saison. Donc on va là on fait un peu le tour hein. Donc Erling Haaland. Alors quel poste lui Chelsea MDC rejeté. Bah oui, parce que pour l'instant c'est le début de saison. Donc deux rapports recrutement reçus, ok. Jérémy Doku. Jérémy Doku. Ah. Chiant ça. Mais. Ok. Ah. Alors. Alors, tac 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 pour 1,8 million. Ben non en fait. Pour l'instant, je laisse partir aucun joueur parce que j'ai besoin de l'intégralité de mon effectif. Donc voilà, j'ai besoin de l'intégralité de mon effectif. Voir les rapports de recrutement. Ok. Et ok. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans transfert, recrutement. Non, c'est pas là-dedans. Accueil transfert, il faut s'y mettre dans le menu, hein.
Doku. Waouh, la vache! Oh, mais on veut pas Doku, nous on a déjà ce qu'il faut là pour commencer la saison donc. Alors, tac 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 tac. Alors, quatre offres. Alors, on a Matos, ouais, Matos pour deux. Matos, je sais même pas s'il joue Alex Matos. Ouais, vas-y. Lui, on va le rejeter. Tac, tac, tac. Joao Félix, encore moins. Joao Félix, tu restes là. Merde! Non, c'est bon. Et Christopher Nkunku, tu restes là aussi. Voilà. Allez. Dans pas longtemps, on aura le premier match de la saison. Kamavinga. Oh. Kamavinga. Oh. Kamavinga. Oh. Excusez-moi. Ouais. Je pense que j'irai chercher un truc à boire après. Kamavinga. Oh. Kamavinga, oh, Kamavinga, oh, Kamavinga, oh, Jean-Michel Aulas, on va dominer, j'ai droit, ok. On va tout dégager. Ah là là. Bon, alors comment va se passer, mis à part aujourd'hui, parce que c'est vraiment la vidéo découverte, mais sur les prochaines semaines, comment ça va se passer? On va parler de tout. La semaine prochaine, tous les mercredis matin, vous aurez un épisode de Maxence Cacré. Non, pardon. Vous aurez un épisode de la carrière entraîneur avec donc du coup Chelsea et une fois par mois vous aurez de l'Ultimate Team avec nos 15 victoires à faire si on arrive à les faire, du clash d'équipe, l'évolution de mon équipe, etc., etc. Je fais ça parce que ça a marché. On va garder le même concept que la saison dernière sur FC 24. C'est-à-dire qu'on va se concentrer amplement sur la carrière entraîneur cette année, parce qu'il y a énormément de nouveautés à voir. Et puis voilà. La 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 la. La 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 la. Oui, ça c'est pour les postes de sélectionneur. La 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 la. Oh, bah, putain.
Et ça, c'est des branleurs. Mais vous faites chier! Vous pouvez pas me laisser mon équipe tranquille? Et je vais pas devoir vendre déjà, bordel! Da Ok, on va attendre. Ta la 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 la. C'est quoi le budget de Chelsea? Alors, le budget de Chelsea, faut que je regarde. Ta li la la. Tu vois, t'es pas avec Valenciennes cette année. Bah non, je peux pas. La 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 la. La 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 la. J'aimerais demander à des supporters lyonnais s'ils sont d'accord que je fasse venir Maxence Cacré. Je peux faire venir Maxence Cacré? Au revoir. Erling Haaland. T'as qu'à faire venir Erling Haaland. Oh, Maxence Cacré. La 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 la. Mais laissez-moi mes joueurs tranquilles, bordel. Oh. Heureusement qu'il n'y a pas de supporter lyonnais dans le. Parce que là, sinon, je me fais tuer. Hein. Allez, la 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Et ben voilà, Maxence Cacré. Il vaudrait mieux pas que tu regardes ce que je suis en train de faire avec Maxence Cacré. Non, je suis en train de jouer, je t'ai dit. Attends, je suis en train de négocier avec ma soeur secrète là. Alex, viens voir, tu vas rigoler. Alex, Nathan, venez voir, vous allez rigoler. Alex, viens voir, tu vas rigoler. Bienvenue, Maxence Cacré, nouveau joueur de Chelsea. Alex, regarde, tu voulais qu'il parte, bah je te l'ai fait partir. Welcome Maxence Cacré. Du coup, Lyon vont devoir trouver un MC. Oups. Oups, désolé. Ben si, j'arrive. T'es content? J'ai fait virer Maxence Cacré de Chelsea. Ah, vive la, vive la. Salut, pub... pardon. Il allait dire autre chose, moi. Hein? Ta, pivelai, pivelai. Bon, messieurs, dames. Trilogue.
On va faire les deux matchs En même temps, si on avait un qui était là. J'avais prévenu que cet après-midi, c'était du mode carré. Hein. Peut pas retourner un peu sur Ultimate Team. Si, si, après, c'est parce que là, on découvre le mode carrière. Voilà, on est reparti sur le chat du jeu. On va les laisser tranquilles. Voilà. Allez, là, c'est important de faire les séances d'entraînement pour pouvoir bien développer ces joueurs. On va essayer d'aligner les deux nouvelles recrues, pardon. Pas tout de suite, mais au moins essayer de les recruter. La faute.
Allez. Bon, là, ça va, il n'y a pas de... peut y aller. Là, pareil, il n'y a pas de... deux joueurs en plus, donc on peut y aller. Pour la louper, non, c'est bon. Ok. Voilà. Ah ouais. Donc ça, vous avez deux possibilités. Soit vous jouez le match complet, c'est-à-dire les 90 minutes plus le temps additionnel, soit vous jouez les temps forts, soit vous faites jouer... Alors attendez, paramètres. Mais non, putain. Paramètres de jeu. Audio. Hop, un petit peu les commentaires, un petit peu l'ambiance de stade, un petit peu là. Sur Buenos Aires et sur son temple dédié au football. Bienvenue à la Bombonera, bienvenue dans le cœur du football. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca. C'est la première affiche de ce tournoi de pré-saison et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Une très belle fête se prépare. C'est le moment de voir qui est un peu trop forcé pendant les vacances, qui est prêt à démarrer la saison. Il ne faut pas sous-estimer l'enjeu de ce genre de match. Le coup de sifflet et le coup franc pour les Blues. Les objectifs du club sont au plus haut cette saison. Ce qui se murmure, c'est qu'une qualification en Champions League, ça serait le minimum pour le nouveau coach. Rappelons au passage que c'est sa grande première. Un coach ambitieux, avec des principes de jeu, un projet. Mais et ça peut être dangereux. Oh, il y a encore le feu. Ah, le danger encore présent. Tout était presque parfait pour le garçon. Mais non! Je ne sais pas quelle était l'idée, mais c'est totalement raté. Bien joué, João Félix. Voilà, va falloir qu'on essaye de trouver un petit peu des... de Ah, quel jouer. dommage, ballon perdu. James. Cacré. Ouais, la bonne Enzo. ouverture, magnifique. Le bon ballon vers João Félix. Le bon ballon vers João Félix. Le bon ballon vers João Félix qui permet à Chelsea d'ouvrir le score. Oui, effectivement, ça a l'air d'être un petit peu trop complexe de jouer comme ça. C'était Installé dans une osé. rencontre, c'est la meilleure physionomie possible. Mais c'est possible. Victoire Le du match coup. reprend 1-0 dans cette partie donc. Jim City. Il y a du soutien là pour attaquer. Côté de là. Oh, attention la Grosse frappe. frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse. Oh, attention l'erreur. Oh, Sanchez, heureusement. Oh, l'erreur de Sanchez. Attention, c'est pas Il va récupérer terminé. ce ballon. Sanchez qui va y aller, le ballon Quel piqué. dommage. À mi-distance comme ça, c'est pourtant bien joué. Effectivement, on n'est pas passé loin de l'égalisation. Cacré.
Jackson. Eh oui, c'est dangereux. Il faut faire quelque chose là. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et peut-être une option pour une contre-attaque. Oui, bon geste défensif. Touche à suivre. Ça commence plutôt bien hein, pour le nouvel entraîneur à la tête de Chelsea. L'arrêt exceptionnel là, de la part de Sanchez qui vient sauver la Maison Bleue. Le ballon va long vers Cole Palmer. La remise en jeu de Cole Palmer avec Jackson. Fernandez. Cucurella. Cucurella. Vers vers celui-là. C'est joué. Maxence Cacregui a récupéré les ballons. Et ça fait 1-0 à la mi-temps de cette première vidéo sur le mode carrière. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et puis voilà, on fera en sorte de... On fera en sorte d'aller chercher le deuxième but. Et voilà, je l'ai dit, mais il est en jeu. Bien joué ce ballon. Et c'est un changement pour Chelsea. Bien joué sur ce ballon bien enveloppé, mais il était en jeu, dommage. Ah, il y a un bon pressing. Bien parti dans le dos. Oh là là. Attention, à Palado de trop tard. Et but, mais oui, un petit sifflet pour une position de hors-jeu apparemment. But annulé pour un angle un peu long, ou peut-être à la mèche des cheveux qui dépasse. Toujours 1-0 pour Chelsea. Nicolo Zaniolo. Et le... La défense de Joao Félix. Avec Cucurella. Oh, ce bon ballon, il était voilà, bien donné. C'est toujours délicat pour des jeunes aussi talenteux. Tout de suite, les chiffres s'affolent. Ce ballon bien récupéré. Pour Christopher Nkunku. Le poteau, c'est pas terminé. Le poteau, même en mode carrière, je tape le poteau. Que ce soit... En ultimate team ou en mode carrière, je tape le poteau Cucurella. Joao Félix, il va enrouler. Joao Félix, il pouvait. Hein. Enrouler, Joao Félix. C'est très serré hein, pour une première rencontre en tant qu'entraîneur. Cucurella. Joao Félix. C'est terminé. Quelques des occasions. Attention de pas regretter ces occasions. Alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Attention à pas les regretter ces occasions. Le corner pour Medweke. Enzo Fernandez. Il y a faute. Ah, il y a une faute. L'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. Caicedo va faire son entrée. C'est recadré. Ça, à mon avis, c'est pour. Hop là, bien joué. Caicedo. Joao Félix, mais en jeu. Ce n'est pas très bien joué au niveau de la passe. Il aurait dû temporiser un peu plus. Joao Félix. Il est hors jeu, Joao Félix. Avec Zaniolo qui récupère ce ballon. Joao Félix, il lui demande le ballon, mais ça a été donné à Medweke. Medweke dans la surface, c'est le but. Ça vient en pressing. Hein. Ça passe pas. Le rond central, c'est mérité hein, du côté de Chelsea. Medweke, Joao Félix.
Oh, encore une occasion en danger pour Chelsea. Juan Cuadrado. Oh là 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 là, attention, The Rune. Chelsea qui démarre bien sa campagne de pré-saison. Ça prouve que Chelsea est fort, ça prouve que Chelsea a les armes pour aller inquiéter l'Europe cette saison. Madueke dans la surface pour le 3-0. Madueke pour le 3-0, il était tout seul, Madueke, il avait juste à la pousser au fond. Et c'est terminé pour ce premier match de carrière avec Chelsea et la victoire large. Victoire face à Chelsea 3-0. C'est une victoire tout en autorité, comme vient de le dire le commentateur. Bon, je pense que le semi-pro, c'est plus que faisable. Mais il y aura des équipes plus lourdes encore que cette équipe-là. L'Atlético, par exemple, il y aura des équipes beaucoup plus difficiles à gérer. Par exemple, le Milano. Il y aura l'Atlético de Madrid également à gérer. Ok. Il y aura le Milano FC à gérer. Il y aura la Juve. Il y aura l'Atlético Bilbao. Il y aura la AS Roma. Il y aura le Napoli également à gérer. Donc attention à ces équipes-là. On est dans un championnat de première ligue. On est dans un championnat de pré-saison. Le championnat de pré-saison permet justement à l'équipe de se familiariser avec les nouveaux arrivants. Donc voilà, après c'est sûr que peut-être que le semi-pro est peut-être un petit peu trop facile pour... je crois qu'il joue à gauche. Attends. Joe Félix, il faut faire un peu Sancho. Attends. Barvardan. Transfert. Historique des transferts. Donc il y a eu un départ et une arrivée du coup puisque on a fait partir Alex Matos vers un autre club et on a fait venir Maxence Cacré pour renflouer un petit peu le milieu de terrain pour enfluer le milieu de terrain. On va pas la faire trop longue non plus la vidéo parce que justement il faut qu'on garde un peu de suspense, mais centre de formation Mais oh. Ah, peut-être attends. Alors attends. Mais je sais plus. Je sais plus. Je fais venir un jour. Attends, est-ce que on a accès à un bureau? Alors.
Bennett. Ouais, c'est ça. C'est Bennett. C'est Bennett et il est AD. Bennett, c'est un espoir et il est AD. Ok. AD à la place de Cole Palmer, alors. Ouais, c'est ça. Bon, bien sûr, faut laisser Cole Palmer. Faut laisser Cole Palmer. Madueke. Chiwell. Je vais tourner. Truc Cucurella et Chiwell. Caicedo. Reece James. Cole Palmer, faut que tu le mettes à la place de là. Disasi, il n'a pas joué à la place de Fofana. En vrai, on est là pour bah, un petit peu tester différentes choses. Mais c'est vrai que Jackson sera l'un des piliers central, entre guillemets, de l'équipe sur le plan. Sur le plan travail, on va dire. Parce que ce sera, je pense, potentiellement mon seul buteur. Je ne sais pas, l'objectif, ça va être d'essayer de se concentrer un petit peu plus, on va dire, sur l'ultimate team. En vrai, moi, cette année, quand j'ai vu un peu ce qu'il y avait à faire, clash d'équipe, ça devrait aller. Les objectifs qu'il y aura à faire pour développer son équipe, ça devrait aller. Le plus chiant pour moi, je pense que ça va être les 15 matchs rivales. Je pense, et puis j'ai dit pour ceux qui étaient là sur SC24 que j'avais pas forcément envie de me prendre la tête sur Ultimate Team cette année. Donc voilà, après, faut pas, comme je dis toujours, faut pas forcer. Alors on va modifier le. Alors on peut pas modifier, mais au moins la tête. J'ai pas envie de. De bus, nouveau follow, S. Cœur rouge nommant soupirette et cœur rouge, bienvenue. Merci. 330 followers, plus 1. Merci, 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 merci. Donc, j'ai dit que j'avais pas forcément envie de. Merci et bienvenue. J'ai dit l'année dernière que j'avais pas forcément envie de me prendre la tête avec Ultimate Team. Alors, je vais continuer, je pense, de mon côté. Et sur la chaîne, ce sera à part, du coup, au moment où je tourne cette vidéo, la semaine prochaine, mercredi.
pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble l'Ultimate Team. Et à partir de la semaine d'après, ce sera que du mode carrière les mercredis et une fois par mois où on se retrouvera pour l'Ultimate Team. Mais je ne vous promets rien parce que franchement, j'ai vu un peu ce matin, ce qu'il y avait. Qu'il y avait à faire et honnêtement je suis assez Ah putain, il a pas sauvegardé ce con. La classe à Dallas. La 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 la. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire, parce que bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le deuxième match face à l'Atlético de Madrid, du coup, et on s'arrêtera là pour. Alors, on va faire le match face à l'Atlético de Madrid et s'arrêter là pour en relancer un pour parler un petit peu de l'Ultimate Team, parce que c'est vrai que ce matin on en a fait un, mais on en a fait un de on parlait d'Ultimate Team, mais avec l'auxiliaire qui était là, forcément le live avait continué de tourner et du coup on n'a pas tu pu parler. Toujours pas débloqué. Mais sous la et non mais tu vas pas venir tu vas pas venir maintenant hein. La preuve que si, puisque tu arrives à écrire dans le chat.
Non. Ouais, c'est quoi ça, mais Jackson? Oui, Jackson. Mais tire tout de suite, c'est tout de suite qu'il faut tirer. Bien joué. Ok. Oh, dommage. Ouais, d'accord. Oh, oh la violence. Let's go. Oh merde! Même en entraînement, je tape le poteau. Non mais sérieux. Bon alors, t'es nul ou quoi? Jouer. Merci Alex. Ouais, même en mode carrière, je tape le poteau. Non mais sérieux. Abusé. Ah! Mais ah! Bon, allez! Bon, allez! Pourtant, c'est pas Maxence Cacré qui demande but, hein. Oh là 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 là, mais Boone. Ouais, d'accord. Allez, vas-y, c'est bon, bouge. Allez, c'est parti, deuxième match. Ça y est, il est sur le point de commencer ce match qu'on attendait tant. On peut sentir la pression qui monte des vestiaires jusqu'ici. Mettez-vous à l'aise et profitez de ce grand spectacle. Est-ce qu'on va vibrer? Est-ce qu'on va être déçu? En tout cas, on a envie de savoir ce qui va se passer. L'Atlético de Madrid affronte Chelsea. On est ravis de s'installer ici pour suivre cette nouvelle affiche dans cette magnifique ambiance. Au micro, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Deuxième match de pré-saison à suivre ensemble. L'Atlético de Madrid contre Chelsea. La pré-saison continue. On va pouvoir avoir une idée de ce qui nous attend pour le retour aux compétitions officielles. Sur le côté, c'est Marco Llorente. Il doit avancer. Marco Llorente en bonne position. Nous sommes passés très proches de l'ouverture du score. Très grosse occasion. Hein. Ça nous promet un sacré spectacle par la suite. Bonne intervention, la passe est interceptée. Julian Alvarez. Lemar. Attention, ça peut être dangereux. En très bonne position. Oh, il y a encore le feu. Oh là 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 là. La barre, elle était belle. Oh là là, le but de merde. Ça a bien subi et c'est la sanction. On le revoit, ce but. C'est vraiment dommage parce que ça arrive juste après une très bonne parade, mais finalement le ballon est repris et ça n'aurait servi à rien du tout. Peut-être un bon mouvement offensif pour l'Atlético de Madrid. Il s'est dégagé en corner. Le corner bien tiré. Oh, ouais, ben voilà, eh ben voilà.
La petite danse de Grisou. Ah là 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 là, les copains, les cocos, les pimpins. Les pimpons, les pimpons, les pimpons. On se prend 2-0 après 12 minutes. On se prend 2-0. On prend 2-0, on prend 2-0. Ouais! Ben Chilwell, la profondeur pour Sancho. Ah, ils se sont pas parlé. C'est bon, c'est Jackson. En même temps, c'est l'Atlético de Madrid. Ils vont pas nous mettre le troisième quand même, l'Atlético! Oh Sanchez, heureusement. Ah! Jackson, il est parti pour la réduction de l'écart. Oh là là, pour la réduction de l'écart. Jackson, pour la réduction de l'écart en face à face, il a complètement loupé ça. Oh. Allez! On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas sauver l'équipe à tous les coups. À un moment, il faut que la défense aussi soit présente sur ce genre de renvoi, anticipé un peu mieux. Ballon pour Antoine Griezmann. Avec Marco Llorente. Marco Llorente en bonne position. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Oh, Maxence Cacré, comment se fait comme ça? Mais oh la vache! Ouais, Rodrigo de Paul, ça va aller, oui. Comme à Neymar. Ah non, c'est intercepté, l'Atlético qui perd le ballon. Witzel. Marcos Llorente. Antoine Griezmann dans la surface. Et allez, et encore un but, quelle puissance offensive, 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à acquérir. Antoine Griezmann à la réception. Allez contrer cette frappe. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ah, c'est dommage, il y avait une bonne situation à jouer sur ce contre, mais le ballon est rendu à l'adversaire. Ah, le ballon lui échappe et ça sort. Les chiffres. Oh non, mais si on commence à faire ça aussi. La balle bien installée dans le coffre-fort et il ne le quitte plus. Ça va être très compliqué pour leur adversaire. Et oui, le but! Splendide! Ça y est, le hat-trick, c'est fait! Un ballon en plus pour sa connexion! Un ballon qu'il va emporter chez lui! Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Et le centre en retrait dans la surface. Allez, il faut la tenter! Le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Oh oui, c'est au fond, bien suivi. Le ballon était mal repoussé face
un tel réalisme, évidemment, ça fait but. Malheureusement, dans le but, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et là, l'erreur, on le revoit. C'est ce ballon qui est mal contrôlé et retombe dans les pieds adverses. Derrière, à ce niveau, bien sûr, ça ne pardonne pas et ça fait but. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler. C'est reparti dans ce match après une première mi-temps quasi parfaite de la part de l'Atlético de Madrid. Ouais, c'est bien fait ça. Et ça joue avec Lemar. Oh oui, c'est bien joué. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Et attention à cette frappe, très belle frappe mais de peu à côté. Palmer. Bien défendu. Ils étaient nombreux à travailler sur le dossier à West Ham. Le transfert est confirmé. C'est un magnifique transfert pour cette équipe. Ça devrait permettre à tout le monde de passer un cap. En tout cas, on leur souhaite. Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. Corner. Ah, dégagé, mais uniquement provisoirement. Griezmann pour le centre. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Ouais, c'est un pressing efficace. Et la frappe est bonne, ça passe de peu à côté. Ouais, excellente intervention. Le ballon est récupéré. Antoine Griezmann dans la surface. La frappe est puissante, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Le ballon qui manque à le cadre. Pourtant, ce n'est pas la distance qui posait le plus de problèmes. Lavia. Palmer. Il y a du monde en soutien. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Julian Alvarez. Le centre, il y a du monde. Cette reprise de la tête n'est pas cadrée, dommage. C'est passé à quelques centimètres du poteau avec un peu plus de réussite. Changement demandé par l'Atlético de Madrid. Ballon pour Antoine Griezmann. Le ballon n'est contrôlé par aucun des deux milieux là. Il prend sa chance de loin. Oh là là, la frappe puissante, mais elle est complètement ratée. Maintenant, le mieux à faire, c'est de regarder par terre et se faire oublier. Et changement demandé côté Atlético. Palmer. Et il remporte son duel, bien défendu. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Ah, il élimine son adversaire. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Robin Lenormand. Witzel. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Julian Alvarez. Ouais, oui, il a le ballon qui est récupéré par Chelsea.
Et c'est bien donné dans la profondeur. Et donc, finalement, ça n'ira pas plus. Attention, voilà un bon duel. Goal ! Et encore un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. Ouais, bah le jour où l'Atlético de Madrid passera 6 buts à Chelsea, tu m'appelles, hein. Griezmann. Et les pertes de ballon aussi de Cacrette, là. Je crois que je dois être au-dessus de semi-pro, je pense. Cole Palmer. Mais oui, elle est bonne cette passe. Elle a défense est battue. Le poteau, ça joue. Il y a un coup de pied près, c'est pas un jeu. Oh, la carrière avec Chelsea, je crois qu'elle va... Elle va être belge, hein. Hein, t'as vu, une victoire, une défaite. Wouhou! Et un poteau. Et attends, il reste encore 3 minutes, hein. On n'est pas loin, on n'est pas loin du 7-1. On n'est pas loin du 7-1. Ah, le danger est repoussé par le gardien. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Bon bah, je pense que je vais repasser en semi-pro, les copains. Deux petites minutes de temps additionnel minimum. Tu sais qui c'est qui a mis un message dans le chat ? À part ça, il peut pas écrire dans le chat, hein. L'arbitre siffle maintenant la fin du temps réglementaire et Chelsea contraint de s'incliner. Il y a forcément des choses positives. Image assez en... Bah, la preuve que si, il est débloqué, sinon il pourrait pas écrire dans le chat, déjà, de base. Ta gueule. Je vais être impoli, mais... Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Ouais. Bon, vous savez quoi? Je vais vous mettre en attente, j'arrive de suite. De suite! La 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 la. Bon, allez, j'arrive.
Il y a quelqu'un? Bon, Alex. Faut que je te parle. Par rapport à ce que tu sais. Bah, je les ai si tu veux. Ah bah je peux rien faire en fait. Bah il avait laissé un message, je voulais cliquer sur son pseudo. Sauf que bah le message il a été supprimé. Je voulais cliquer sur son pseudo pour voir si je pouvais voir si on pouvait lui remettre des trucs, mais apparemment le message a été supprimé. Attends, je vais regarder mon téléphone, mais pense que ça va être la même sanction sur mon téléphone, hein. Ça fait toujours la même chose. Mais t'es où, toi, on dirait? Mais t'es bien loin de ton téléphone, toi. De quoi? Ah merde! Il t'a lâché quand? Et t'as pas le... Non mais je veux dire t'as pas les thunes pour aller c'est quoi au pire te fais pas chier. Ah non j'allais dire au pire te fais pas chier pour un casque Bluetooth mais c'est 100 balles. Où ça? Un casque Bluetooth sans fil 60 euros. Ah putain, on n'a pas tous la même chose. On n'a pas tous la même. Et du coup, tu vas y aller. C'est pas possible. Déjà, c'est pas ça grave, mais si ça. Ouais, c'est même pas moi qui t'ai dit c'est même pas moi qui t'ai dit ta gueule, tu rigoles ou quoi? Mais c'est même pas Fouki non plus. C'est même pas Fouki non plus, c'est Alex qui t'a dit ta gueule. Il peut pas, il a plus de casque. C'est obligatoire ça? C'est obligatoire les vannes comme ça là? Sale go.
Va chercher ton casque. Comment ça, il arrive dans 45 minutes au magasin? D'accord. Bah là, t'as vu Fouki que je sais pas, c'est le moment qu'on attendait tous et on y est enfin. On va se régaler, on va c'est pas que profiter. je voulais Pour pas nous, le c'est pas que je voulais pas il y a un peu vérifier, d'effet mais surtout. Vous l'entendez, c'est l'enceinte mythique, la Bombonera. Bienvenue dans le temple du football argentin. Que vous soyez à Buenos Aires ou à ici les Moulineaux, non, la team. non mais je c'est pas que je voulais pas vérifier si je pouvais le lui rendre la main ou pas, c'est que son message il a été supprimé du chat, alors eh bon, on va pas. C'est vrai qu'il était fort hier. Il s'est roulé par terre. Tan. Attends, vous voulez rire? Le premier match de championnat, c'est qui? City. Rouge, 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 rouge. T'as l'air, je dis. Ouais, allez, ciao, au revoir. T'as l'air, je dis quoi? Je dis, Anne, attends, ouais, je vais aller au match ce soir. Mais je peux pas. Bah non, j'ai pas rechargé le fauteuil. C'était pas prévu que j'y aille, hein. Oh, Jackson! Oh, mais l'AS Roma qui joue comme ça tous les jours. On dira rien, Alex. J'ai quand même 6 buts à remonter, hein, parce que ma différence de but, elle va être violente. Hein. Putain, mais ils ont fait quoi avec FC25 là? Plus tu baisses les trucs en audio, plus c'est fort. Qu'est-ce qu'il est joli, ce coup franc! Alex. Qu'est-ce qu'il est joli, ce coup franc! Oh là là là. Bah, au moins, je joue. Bah voilà pourquoi j'y vais pas. Quand je vois déjà comment tu galères, je n'ose même pas imaginer moi. Hein. Moi je joue en division 8. Dans la même division qu'Alex. Ouais. Bon, du coup tu fais quoi, Alex? En même temps, je vous avais prévenu, les copains, que j'étais pas sûr d'être à 100% Ultimate Team. C'est pas à l'école, lui.
Olita. Hey, je suis à 10 contre 11, j'arrive même pas. C'est pour ça que tu joues depuis ce matin. J'y ai pas joué depuis ce matin. Hein. Ce matin, on n'a fait qu'une vidéo sur Ultimate Team. Hein. Là, on est sur du mode carrière. C'est différent, on attend. Quand tu... Oui, mais quand on a un nouveau jeu tel que FC25. Faut découvrir tous les modes, pas que l'Ultimate Team. Vous êtes matrixé par Ultimate Team. Il y en a plein, ils ont même pas pris de douche, ils ont même pas été se laver, et ils sont depuis minuit sur Ultimate Team. Ils sont plus depuis minuit sur Ultimate Team. Ça y est, il y en a, tu veux les inviter sur vélo? Ah bah non, hein, j'ai mon objectif à finir avant, hein, Fougui? Parce que ça y est, maintenant qu'il y a FC25, on va plus te voir sur Valo. Tu fais partie de la communauté qui va jouer toute l'année sans changer de jeu. Mais qu'est-ce que t'as, toi? T'as qu'à savoir jouer. Oh! Ah mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Tu gagnes pas tous tes matchs en mode carrière, hein.
Chaka fait ce qu'il veut avec son jeu. Si j'ai pas envie d'aller en Ultimate Team maintenant, j'y vais pas maintenant. Mon équipe, elle est moi. Mon équipe, elle est faite. J'attends les premiers événements maintenant. Putain, mais... Ferland, espèce de claquerette de merde! Tu vas repartir sur le marché des transferts, hein, je te le dis. Tais-toi, monsieur, j'ai pas le micro. Allez! Ouais, oui, bien sûr, il est hors jeu et ta mère aussi, quand je la prends, elle est hors jeu. Pardon. Ah, frère. Que c'est nul. Oh là 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 là, la politesse. Oh là là, la politesse. Oh là là. Et il fait joujou, il est content, frère. Avant le début des événements, frère, ils seront déjà remontés dans la... Oh, allez! Mais... Pourquoi ça met la commande vocale? Je... En plus, c'est pour mettre des messages à la con. Mais arrête de... Google. Matrixé! Oh Jackson, je vais t'enfuir. Et dire que je suis en train de le faire évoluer sur Ultimate Team, ce mec. Jackson, tu la mets pas, t'es une merde, hein? Ils sont nuls! Ta gueule, t'es genre des 7. On t'a aidé un petit peu quand même. C'est pas, ça, tu vas pas le dire. Genre, tu vas me dire que t'es genre des 7, là. La violence. Mais c'est quoi ces passes cacrètes? Qu'est-ce que vous faites tous en mode rush, frère? C'est quoi ce mode de jeu encore? Encore un mode de jeu pour les puceux. C'est encore un mode de jeu pour les puceaux, ça. Non, je suis pas en jeu. Bien joué, 4-0. On soigne la différence de but du côté de Chelsea. Oh. Ça, comment ils... je vous jure, les gens. Les potes là dans l'avocat, ils sont matrixés par Ultimate Team. Il y a d'autres modes de jeu dans FIFA 25, non? Minuit, frère. 23h59, il a dit, me dérangez pas, je pars. Ouais. Excuse, hein. Hein, 23h59, le mec, il avait allumé sa console. Non, pas vrai. Moi, je dormais à cette heure-là, moi. Allez, bien joué Sanchez. Bah vas-y alors, on va en réunion. Oh non, 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 je veux pas me prendre un but à 10 contre 11. Ouais, c'est bien. Et c'est plié.
Cannavaro. But. Oh là là, Sanchez, fais-moi des gosses. Mais c'est quoi ces passes? Mais wesh. Vous êtes matrixé la vie, c'est trop. Il manquerait plus qu'ils mettent les premiers événements ce soir. Ben là, c'est tout, on les a perdus, je vous le dis. Bon. Et ben voilà, messieurs, dames. C'est là-dessus que le mode carrière pour ce pour là en tout cas Voilà, donc on n'est pas qualifié pour la suite, hein, forcément, puisque on avait perdu le deuxième match, et en général, c'est sur trois matchs. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, c'est pas regrettable, hein, mais prochaine rencontre, elle est dans 15 jours. Alors, un petit peu plus tard pour nous, du coup, puisque aujourd'hui, c'était la vidéo découverte du mode carrière. Et donc, on se retrouvera mercredi prochain pour ce qui est de la carrière entraîneur. Vous voyez, ça va être le début en Première Ligue avec Chelsea, puisqu'on aura, voilà, on aura donc City et Wolverhampton. On a gagné, hein, face à, on a gagné nos différents matchs. On a gagné deux matchs sur trois. Qui fait que voilà, et puis on aura City et Wolverhampton lors de la prochaine vidéo mercredi prochain du coup, et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de Ultimate Team. C'est court, je sais, il y a le mode carrière joueur, mais c'est un peu la même chose, hein. C'est un peu la même chose que le mode carrière, donc on a fait un peu le tour. Ensuite, qu'est-ce que bon, on va empiéter un petit peu sur le mode carrière, c'est pas grave, mais voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc voilà, on va revenir sur le. En soi, le menu ne change pas, d'accord? Donc voilà, le mode carrière. Ensuite, vous avez l'Ultimate Team. Donc ça, vous en aurez un petit peu. Je vais vite vous présenter mon équipe, du coup, pour commencer. Hein, parce que j'ai commencé, enfin avec l'aide de Nathan, bien évidemment, pour commencer. Voilà un peu à quoi ressemble notre équipe, qui ne sera pas comme ça toute l'année, hein, je vous rassure. Mais c'est un peu ce qui nous représente en ce début de jeu. Alors il y aura bien sûr les maillots à aller chercher, il y aura les évolutions à terminer, celle de Garden et celle de Jackson, et puis après au fur et à mesure des événements à l'année, notre équipe va évoluer, et au fur et à mesure des récompenses, des joueurs qui vont être remplacés par des plus grosses notes. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, hein, on fera le point lors de le prochain tournage de la vidéo. Je sais que j'avais dit jusqu'à 17h au moment où je tourne cette vidéo, mais vous le savez, on est dessus depuis ce matin, et il faut aussi que on se pose pour souffler un peu. Si j'ai le temps, je vous ferai un petit peu le tour du Ultimate Team sur une autre vidéo un peu plus tard, dans une vingtaine de minutes. Alors, je rappelle que le mode carrière, ce sera tous les mercredis à 20h45 sur la chaîne YouTube, sauf
bien évidemment, au moment où je tourne cette vidéo, ce mercredi, le mercredi qui arrive du coup, puisque ce sera le début d'Ultimate Team avec, bon, vous n'entendrez pas grand chose, c'est pour ça qu'on va la supprimer et qu'on va en faire une pour que vous voyez bien les nouveaux, enfin, bref, on va la laisser, vous allez vite comprendre, on a fait un match ce matin. Et puis, tous les mercredis, donc à 20h45, le mode carrière. Alors, comment va se dérouler le mode carrière? Deux matchs par mercredi. Donc là, ce sera City et Wolverhampton la semaine prochaine. Et puis, vous aurez toujours les lundis, mardis, votre carrière pilote. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On finit 2 heures plus tôt parce que ben, il faut, je suis fatigué là, vraiment. Vraiment, vraiment, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et pourtant, j'ai dormi assez tôt pour être en forme, mais là, je suis fatigué. Et j'ai pas envie d'aller chercher un Red Bull ou un truc énergisant. Donc, et puis bon, j'ai match moi aussi, donc j'avais complètement zappé que j'avais match aujourd'hui. Donc voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Vous inquiétez pas, on n'a pas fini, on commence seulement sur Ultimate Team. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.